préparation. Nous avons une montée d'adrénaline et un peu de frayeur dans le camp du collège adventiste. Voici à l'honorable député monsieur Antoine Tanner d'avoir fait ce déplacement. De l'école Lagune. La réhabilitation des autres établissements, on ne va pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, toutes ces réhabilitations et des modernisations ont fortement un impact sur le rendement des élèves et des étudiants. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité de l'équipe municipale, mais également de la disponibilité des députés que nous sommes pour continuer donc à vous assurer le meilleur, pour que nos jeunes également puissent apprendre dans les meilleures conditions. Je voudrais enfin demander que l'esprit fair-play puisse régner. Nous ne sommes pas sur un gazon, sur un terrain réglementaire. Les bousculades doivent être donc bien calculées parce que nous sommes sur un goudron. Je voudrais vous demander de privilégier donc ce fair play afin qu'il n'y ait pas d'incident ici à Poissy et sur ces terrains. Je voudrais une fois de plus vous dire que ce soir, il n'y aura pas de vainqueurs, il n'y aura pas de vaincus. C'est la peine d'eux qui sortira donc vainqueur et ensemble vous allez donc savourer. Aller savourer la fraternité, la cohésion et la raide donc retrouvée entre vous. Merci beaucoup pour cette deuxième édition ici. Vous pouvez donc compter sur nous, sur notre soutien pour la troisième édition aussi, bien sûr, vous choisissez notre commune. Merci beaucoup aux élèves et les OE, aux étudiants, certainement les écoles professionnelles également. Merci beaucoup pour avoir effectué massivement le déplacement ici à Kumasi et que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Kumasi, Otara Kader, Guy, va donner donc à la petite question que nous allons faire. Un centre chute. Je suis M. Assi Gérard, directeur adjoint du collège adventiste. Alors ce matin, nous sommes en droit de fraternité. Nous voulons souhaiter aux deux équipes de fair play et que le meilleur gagne. Et bonne chance à tous. Merci. Thank you.
Le match ne commence. De cette manifestation, on vous souhaite le meilleur. Vous avez un enfant, mais à cause de pas l'âme, tu es parti. Tout le monde a raisonné. Tu disais non, c'est trop fou. Ta copine a brûlé. Il a choisi aujourd'hui, c'est sa femme. Mauvais fond de ta femme. Perception de la balle par la colombe. Alors nous prenons vers les dernières actions de ce match. Attention, nous avons deux ballons. Nous prenons vers la fin de ce match.
les dernières actions, s'il vous plaît. C'était ce qu'on s'est dédié. Depuis que ton prix t'en parlait, le mélange t'est proposé. Tu m'as dit que tu préfères réfléchir, mais réponds maintenant. Tu t'arrêteras trop tard. J'ai plus envie. Maintenant je vois revenir. Après l'heure, c'est plus l'heure. Les fraîcheurs. À de très belles actions, menées de la surface de réparation. De plus de deux par l'église du bon samaritain, électrique et le maçonnière. Maçonnière sportive, merci, merci d'avoir amélioré votre engagement. Alors, nous voyons bien sûr devant la loge officielle d'un couple. Alors, qui va-t-elle épouser cet après-midi? Le suspense demeure. Le bon samaritain. Très belle déviation. L'action n'a pas été concrétisée. Révélation, nous observons un boulevard. Bon samaritain. Il y a ce tour toujours en possession du ballon. Le possédé du ballon, le profil. Le bon samaritain, mais ça ne vient pas. Il y a ce tour, la surface d'opération. Il y a ce tour. La balle n'est pas cadrée. Nous assistons à une très belle partie avec un très bon esprit de jeu. Sorti de balle. Acte d'anti-jeu. Bonsoir, monsieur Poupé.
L'action ne va pas à son terme. Remise en jeu. Au profit des bons samaritains. Il a demandé à tous. Très belle action. Yes, they go. Après, c'est... Très bien. Dans la surface de l'opération. Alors c'est bien ce qui va exécuter en premier. Maritain, il prend son élan. Il s'élance. La concentration est à son paroxysme. Le but n'est pas validé. L'arbitre estime que la balle a rebondi deux fois dans la surface. Bon Samaritain, excellence. Il reste que en porte. Les allons maintenant assister à la finale de pause. Les deux de leurs équipes cet après-midi. Il s'agit évidemment qui se trouve en finale face à la Colombie. Face à la Colombie. Et en première édition de la première édition. La question reste posée. Allez, 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 allez
promotion se font le plus belle par les supporters des deux équipes, les Bleus. Bénédiction de la dépassée. Merci aux deux et aux adjoints de l'établissement qui sont présents. Merci aux collègues enseignants qui ont pris de leur temps pour honorer cette manifestation. Merci à tous les invités. La partie va bientôt débuter. Toutes les dispositions sont en prestation très bonne condition. Déjà, le coup d'envoi va être donné par le collège d'Apprentis d'Abidjan. Go! Nous assistons à l'arrivée de l'honorable Ouattara Kader, député de Kumasi. Nous allons le rassurer, s'il vous plaît. Président du ballon. Allez, allez, monsieur, allez, maté. Avec Anne. La partie se poursuit. Les esprits s'échauffent. Bravo, monsieur, bravo. S'adresser aux autres.
Passant sur notre joueur, les deux équipes, le collège d'Atlantis. Alors nous assistons à une partie honorable qui amortit la balle. Il faut continuer à prendre des ressources. Merci beaucoup. Je vais remercier M. Kofi Kanyala et toute son équipe pour cette belle organisation et pour avoir également choisi notre belle commune pour partager ces moments de bonheur, de fraternité et de solidarité entre les apprenants et ceux qui apprennent. Généralement, il y avait un mur de méfiance entre les enseignants et les élèves. Aujourd'hui, c'est avec grande satisfaction que je vois les enseignants, les professeurs accompagnés de leurs supporters, les élèves, pour apporter de la gaieté, l'entraide et la cohésion parmi dans le monde de l'éducation. Je voudrais, au nom du ministre Cissé Ibrahim Papa Congo, maire de la commune de Kumasi, vous souhaiter donc la bienvenue dans notre commune, mais également vous remercier pour ce choix de notre commune, parce que on a dit tout à l'heure que la Taine 2 regroupe 4 communes d'Abidjan Sud. Et si vous avez choisi notre commune pour cette phase finale jusqu'à la finale, c'est bien sûr parce que vous avez dû décider quelque chose de meilleur. Et depuis 2018, le ministre Cissé Papongo et son équipe ont travaillé pour mettre à la disposition des populations de Kumasi un cadre idéal où il faut vivre. Chers camarades enseignants, chers frères, vous avez vu que le ministre Cissé Ibrahim Papa Congo travaille à réhabiliter le cadre des enseignants. Les établissements publics surtout ont connu une mue, une réhabilitation à Kumasi. C'est pratiquement près de 454 millions de francs CFA du budget communal qui rentre dans les réhabilitations des écoles. Vous avez vu, il y a de cela quelques années, la réhabilitation du... Je suis un peu plus de temps.
Et des Samaritains aujourd'hui, Samaritains. Et bien c'est troisième. L'équipe la troisième, c'est voilà. Merci à tous ceux qui ont été tout à l'heure. Et je vais commencer à faire un L'équipe, la Colombe, l'année dernière à la première.
mission. Ils ont franchi toutes les étapes avec brio. Ils étaient de loin la meilleure équipe. Encore cette année, la Colombe fait preuve de suprématie. Wow. Nous voulons les féliciter. Wow. Et le Real Madrid, le Real Madrid. Wow. Que toutes les équipes se préparent à les étonner à la prochaine édition. Nous pensons que la Colombe viendra l'année prochaine pour confirmer qu'elle reste la meilleure équipe de notre train. Président de l'amicale des personnels du collège adventiste, initiateur de ce projet de journée sportive au niveau de la DREN, la direction régionale de l'éducation nationale de l'alphabétisation à Abidjan 2. Les enseignants ont pour cadre habituel de retrouvailles les examens de fin d'année. Au niveau du collège adventiste, nous avons pensé qu'il fallait créer un autre cadre plus convivial, plus récréatif, pour permettre aux enseignants, un temps soit peu, de déstresser et de permettre, n'est-ce pas, à l'esprit de se reposer, de se réjouir. Et c'est cette idée-là qui a conduit à la mise en place de cette journée sportive. Nous sommes à la deuxième édition cette année et elle a été un grand succès. Un grand succès. Nous remercions donc notre partenaire DEMEB qui nous a accompagnés depuis l'année dernière et qui a permis que cette deuxième édition, encore comme la première, connaisse un franc succès.